I know watch. My name is Graham Yost, and I'm the creator of Boomtown and Justified, and you're watching No Watch. Bonjour, No Watch. Vous l'avez certainement reconnu, nous sommes en présence de Hervé Admar, co-créateur de Pigalle la Nuit, réalisateur de Pigalle la Nuit. Il est ici à Deauville pour parler de Pigalle. Ah ben non, pour parler de séries policières dans le cadre d'une. T'énerve pas, tout va bien se passer. Dans le cadre d'une table ronde sur les séries policières qui a eu lieu hier, qui était fort intéressante. De quoi avez-vous parlé? Il y avait Sean Ryan, excusez du peu, Graham Yost, Anne Landois, toi-même. Ouais. De quoi avez-vous parlé pour les gens qui n'étaient pas à cette... On a parlé de l'identité de nos séries respectives et puis de la façon dont on travaillait les uns et les autres. Et avec les producteurs, avec les chaînes, la façon dont on concevait nos séries. Et voilà, alors c'était vraiment intéressant parce que, alors évidemment, nous, la discussion s'est prolongée. On a passé un peu 24 heures ensemble, donc c'était vraiment intéressant. Un dernier mot sur Pigalle la Nuit, et puis après, on est vécu. Hein, oui. Je sais que tu aimes bien parler de tes tantes sur ce sujet. Ouais. Bon. Ça fait maintenant 3 mois en gros, je ne sais plus, 2 mois qu'on a appris que la saison 2 ne serait pas produite. Ouais, 2 mois. Produite. Deux mois, ouais. As-tu fait ton deuil? Non, c'est compliqué de faire le deuil de Pigalle. Mais c'est pas, je ne suis pas aigri Pigalle existera toujours. Il y a une saison 1. La saison E. C'est entre la saison 1 et la saison 2. C'est la saison E. Il y a une saison 1 qui existe grâce à Canal. Je le rappelle à chaque fois. C'est quand même grâce à eux si la série a existé. Donc je les remercie pour ça. Et c'est grâce à eux aussi. La saison 2, c'est pas. Et là, je suis pas d'accord, évidemment. Je peux pas être d'accord avec ça. Donc je ferai pas le deuil de Pigalle. Et en même temps, voilà, c'est pas grave. On va faire d'autres choses. Je vais faire d'autres séries pour d'autres chaînes, peut-être un jour une autre série pour Canal, on verra, tout est possible. Voilà. Des représentants de la fiction de Canal+, sont présents à ce week-end-là à Deauville, oui. Puisqu'ils ont été invités dans le cadre de l'événement Deauville saison 2. Mmh. Tu les as croisés? Bien sûr, j'ai croisé. Vous avez eu l'occasion de vous expliquer? Oui, on s'est parlé un peu, mais c'est pas un problème de personne. Et en fait, il n'y a pas de problème Pigalle et il n'y a pas de problème Canal. Je m'explique. Il y a un problème plus large qui est un problème d'équilibre de pouvoir entre les diffuseurs, les producteurs et les auteurs en France. Voilà. Moi, j'ai rien contre... je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'ils font une erreur industrielle et une erreur artistique par rapport à Pigalle 2. Mais j'en veux à personne. J'en veux à personne. Ils sont sincères dans leurs propos et dans leurs démarches. Moi, je suis sincère dans la mienne. On n'est pas d'accord. Ça arrive. Voilà. C'est ce que vous vous êtes dit hier avec... La personne qui représente la fiction de Canal+. Ouais, on s'est dit plein de trucs. D'abord, ça fait plaisir de se parler, de se retrouver. Ce sont des gens que j'estime. On a avancé avec eux. Moi, j'ai appris des choses en écrivant et en réalisant la saison 1 de Pigalle. J'ai appris des choses avec Canal. J'ai pas oublié ça. On peut ne pas être d'accord. C'est le conflit gratuit et agressif, et ça m'intéresse pas. Mais la discussion ferme et... avancer ensemble, on peut avancer ensemble à la fois dans le succès, et puis moi je suis persuadé qu'on avancera ensemble aussi dans l'échec de cette saison 2. Voilà. Tu vas nous parler de tes futurs projets. Hein. Ah, je sais que c'est pas facile de t'en faire parler parce que tu n'arrêtes pas de dire c'est pas le moment, c'est trop tôt, mais maintenant ça suffit maintenant. D'accord, hein. D'accord, on met tout sur la table, hein. On vide les clés, les piécettes, tout ça, et puis on y va, mon vieux. Tu m'auras pas comme ça. Hein. Alors, j'ai une série qui s'appelle C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire, abordons les choses dans l'ordre. Ouais. Il y a un projet de film. Ça va vous plaire. C'est un truc de SF. Voilà. Alors, ça s'appelle The Silence of the Moon. Ça se passe sur la Lune. Un thriller psychologique. Donc, ça se passe dans un futur assez reculé. Pas d'aliens, pas d'extraterrestres, pas de monstres. C'est pas Apollo 18. J'espère qu'Apollo 18 va marcher. Parce que si ça marche, ce sera plus facile de trouver un financement pour mon film.
Ah oui, parce que c'est le concept de ton film se rapproche de non, ce... Non, de ce ça n'a rien à voir. D'accord. Mais tu connais, ou pas d'ailleurs, les investisseurs et les banquiers. Un film sur la Lune égale un film sur la Lune. Un western égale un western, en gros. Donc, si tu as un western qui sort et qui fait un carton, 2 ans après, tu as 12 westerns à l'antenne. Enfin, sur le marché. J'entends. C'est comme ça que ça marche. Vous allez avoir les 10 premières minutes du film. Ah. Incroyable. Hein, ça, ouais, c'est... T'as un budget ? T'as quelque chose ? Écoute, on verra ça après. Mais là, vraiment, ça me touche. Bon, alors, allez. Trois missions européennes. Ça se passe dans 12-15 ans. Une mission scientifique sur la Lune, d'extraction d'oxygène des roches lunaires et en même temps mise au point d'une serre pour essayer de faire pousser des... Bon, ça, c'est des programmes qui existent. Je me suis basé sur des choses. Donc, 3 mecs arrivent sur la Lune. Et pour une raison que je ne vous dévoile pas, tout d'un coup, plus de liaison radio avec la Terre. Et ils se retournent et catastrophe, quelque chose sur Terre, des explosions nucléaires. On n'est pas jamais sur Terre, hein, on reste sur la Lune, du début à la fin du film. Et ils n'ont plus de contact, plus impossibilité de revenir. Ils ont 3 semaines d'autonomie d'oxygène. 3 hommes sur la Lune, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. C'est le pitch. Ah ben, tu nous as bien teasé avec ça. Voilà. Non, ça donne envie de voir la suite. Voilà. Et c'est un truc qui reste à la fois dans mon univers et en même temps qu'un truc voilà, avec un peu d'action. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'on est en train de faire Armageddon. Ou, attention. Hein. Bah heureusement, quelque part. Oui, non, mais en termes de c'est pas. Mm. Mais voilà, le pari, c'est de faire un petit film. Budget ? Est-ce que c'est budgété cette histoire un non, petit peu ? Non, non, mais. Ça coûte cher et en même temps, on essaye évidemment que ça coûte le moins cher possible. L'idée, c'est de faire, c'est pas de faire un truc au rabais. Donc, tu peux pas arriver avec un projet comme ça et puis arriver avec un truc. Voilà. Mais il y a des moyens. On essaye de trouver des moyens pour que ça coûte le moins cher possible, en sachant que il y a une masse de plans à truquer, quasiment presque tous les plans, quoi. D'accord. La production derrière, c'est qui ? C'est quoi ? C'est Superprod. Superprod, c'était là. C'est tant pis qu'il est désopilant aujourd'hui. On a du bol, on est tombé sur un bon jour. C'est un jeune producteur, formidable. Ouais. Forcément, puisqu'il me paye. Non, c'est un jeune producteur qui s'appelle Clément Calvet, qui dirigeait une boîte d'animation pendant de nombreuses années, qui était DG d'Alphanim, et qui aujourd'hui vient de monter sa boîte, donc qui s'appelle Superprod, et on a signé ensemble. Et un diffuseur est dans la boucle ? Non, pas encore. C'est vraiment au tout début du développement. Mais quand on en parle autour de nous, les gens sont... c'est un pitch qui marche. Voilà. D'accord. Ça, ah ben, je te confirme. Il y a une très très bonne réaction autour de ce projet. On aura rapidement un dossier avec des beaux visuels et tout ça. D'accord. Je te montrerai ça. Et juste dernière question sur ce projet. Dans ta tête, le calendrier, en gros, en mais dans l'idéal, un tournage, ça serait non, si le tour de table était. Impossible. Allez, on est dans la 4e dimension, générique, voilà tout ça. On est dans la 4e dimension, c'est un tournage en 2013. Si ça marche de façon miraculeuse. D'accord. Télé. Oui. Tu as évoqué 1 ou 2 projets sans l'appareil en disant que c'était trop tôt pour en parler. C'est ce que tu as dit hier à la table ronde. Je peux en parler un petit peu plus. Un tout petit peu plus. Alors, commençons par le commencement. Tu vas être déçu. Hein. Enfin, tu vas être déçu parce que je ne peux pas dire énormément de choses. Je peux dire qu'on. Un nouveau projet à 4 mains avec Marc. Oui, avec Marc Herpoux, un 652 qui s'appelle Les Témoins, qui est un polar. Voilà. Qui est produit par Ciné TV. Ça sera pour le service public cette affaire, hein, j'ai l'impression. Je ne sais pas. C'est pas encore signé, donc je peux pas te dire. D'accord. Et l'état d'écriture, l'état d'avancement de l'écriture On démarre. Ah, on démarre. Je te rappelle que je devais être en prépa il n'y a pas très longtemps et qu'il y a 2 mois, mon année était prise. Donc, il faut repartir sur sur d'autres projets. Donc, on développe 2 séries. Ce 652. Qui est effectivement avec Ciné TV, mais on a envie de faire un polar efficace. On a envie de quitter un peu le caractère obsessionnel de nos personnages et hypnotique de nos narrations pour aller vers quelque chose de... Même si on va rester dans notre univers, faut pas rêver. Pas se renier non plus. Je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas notre travail, mais bon, voilà, on va rester dans notre univers. Mais on a une envie qui est d'aller vers quelque chose de
Est-ce que c'est une leçon que vous avez tirée d'éventuelles critiques que vous avez entendues sur Signature, par exemple ? Non, parce que nous, on assume complètement. Signature, c'est ce qu'on préfère de tout ce qu'on a fait, hein. Vraiment sincèrement avec Marc. Je dis pas que c'est parfait, hein, y a des défauts. Hein. Mais voilà, on aime vraiment beaucoup et c'était l'objet qu'on voulait faire et tout va bien. Mais on n'a pas envie de refaire Signature et on n'a pas envie de refaire Les Oubliés. On a envie de proposer autre chose, même si ça sera notre univers. Voilà. D'accord. Le deuxième projet ? Le deuxième projet, alors là, je peux pas dire beaucoup de choses. Alors, si je tiens un truc sur les témoins, quand même. J'ai envie de reproposer un des rôles principaux à Jacques Gamblin, que j'ai rencontré. J'en ai parlé un peu. On va voir. Rien n'est fait. Mais c'est une envie, voilà. Dans le rôle d'un flic. Dans le rôle d'un flic, c'est un peu là, oui, dans le rôle d'un flic. Ouais. Une très bonne idée. Voilà. L'autre projet, donc, c'est avec Christine de Bourbon-Bucet, la productrice de Pigalle la nuit et des Beaux Mecs. Et voilà, là, je peux rien dire, c'est une vraie série, complètement totalement différente de ce qu'on a pu faire. Et on n'a pas de diffuseur encore. D'accord. Et donc un projet plus pensé, comme tu viens de le dire, dans une optique série plutôt que mini-série. Ouais. Même avec si début et fin. Les témoins, c'est des vrais personnages. Ça peut être un personnage récurrent. D'accord. Mais bon, c'est un 6-52 bouclé. Les épisodes de la saison 2 de Pigalle la nuit qui ont été écrits, ouais. Ils existent, ils sont là quelque part, dans ton ordinateur. La saison, je l'ai vue, je peux vous dire, elle est formidable, vraiment. Mais donc, il n'y a aucune chance que sous une forme ou une autre, on voit ce travail autrement que... Enfin voilà, que ce travail aille au-delà de son stade de simple travail écrit. Je peux te le mimer, si tu veux, à la saison. Il me fatigue, hein, aujourd'hui. Tu veux qu'il mime, toi. Alors lui, l'autre, il dit banco, quoi. Ouais, je vais faire... Va me chercher une barre. Allez, je vais te faire Sarah Martins. Non, donc la réponse est non. Non quoi ? Voilà, ça restera à l'état de... Théoriquement, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Mais je le souhaite. Bon. Mais pas au cinéma. Non, je parle là, en télé. C'était quoi la question ? Est-ce qu'une autre chaîne peut racheter Piga ? Théoriquement, oui. Je pense qu'il y a un coup à faire. C'est-à-dire que je pense que Pigalle, c'est une réussite d'audience, à la fois à l'antenne, en téléchargement, en DVD. Voilà. Et je pense que c'est une belle marque. Et je pense qu'il y a un coup à faire pour une chaîne. Et Canal+ n'est pas propriétaire du... Je pense qu'il y a des concepts juridiques que je ne maîtrise pas. Mais je pense que ça s'est déjà fait. Et que si ce sont des contrats types, enfin ça, il faut poser la question à la prod. Mais je pense qu'il y a une possibilité. Je pense que c'est pas sans conséquence. Il faut racheter des choses à Canal, j'imagine. Enfin, je sais pas. Hein. D'accord. Mais je pense que oui, théoriquement, c'est possible. Après, personne n'est venu me harceler en me disant « Je t'en supplie, viens, je veux faire la saison 2. Voilà un chèque de 10 millions d'euros. » Écoute, croisons les doigts, hein, ça jamais. Voilà. Dernière question. Puisque hier, tu as participé à cette table ronde captivante sur les coulisses de l'écriture d'une série policière, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique, est-ce qu'il y a des séries policières que tu as regardées récemment et qui t'ont marqué ? C'est pas parce qu'il était là, mais j'ai bien aimé Chicago Code. Moi aussi. C'est vrai ? Ah ouais, je trouve ça très bien. Alors, j'ai pas tout vu, mais j'ai eu le temps de voir que les premiers épisodes, et je trouvais que c'était très efficace, pour le coup, là, voilà. Donc, on parlait de nos recherches d'efficacité. Alors, je dis pas que je vais faire Chicago Code, hein. Pourquoi pas, écoute ? Non, mais là, c'est plus dans d'autres univers. Et puis, j'en serais pas capable. Donc tu appréciais l'efficacité de l'exécution. Très bien filmé, très bien. Les comédiens sont super, les personnages sont super, les enjeux sont forts. Après, ça reste relativement, c'est vraiment inscrit dans un genre archi-codé. Ça respecte les codes du genre. C'est très les codes de Chicago d'ailleurs. Je vais les rire. Ouais. Et on en voilà. C'est une série très agréable à regarder. C'est pas une série majeure pour moi. Mais bon, voilà. D'accord. Moi, j'aime beaucoup Louis en ce moment. Tu connais Louis ? C'est pas une série policière, hein, mais. Non. Mais c'est... je la connais peu, mais j'ai vu 2-3 épisodes. Très drôle. Saison 2, et il y a un gros buzz sur Louis en ce moment. Saison 2, là, mais super. Vraiment.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette série? C'est le côté radical du personnage, qui a peur de rien. Je vais jouer au vieux con. J'aime bien le mec qui est dans la crise de la quarantaine aiguë, voire cinquantaine aiguë. Et le mec, voilà, ça me touche, ça me parle. Tu vois, voilà, c'est tout. Quoi. C'est juste ça. Et c'est très, très fin. Ça peut être à la fois caca, pipi. Donc ça me fait rire. Et puis après, la scène d'après, c'est vachement fin. Voilà, pas de diffuseur en France, hélas, pour l'instant, à ma connaissance de Louis. Hein. Et puis encore moins de possibilités de faire ce genre d'humour-là en France, je pense. À la télé, en tout cas. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé Platane, par exemple, tu vois. Alors, ça, c'est pas le même genre, c'est pas la même comédie. Tu es vraiment très concilié avec Canal, toi. Hein. Non, mais je dis les choses comme je le pense. Non. Après, ouais. Il y a des choses chez Canal que les séries que j'aime pas. Je te donnerai pas de nom. Mais, bah oui. D'accord. Voilà. Mais Platane, j'ai bien aimé. Ouais. Et en série policière, à part The Chicago Code, non. Voilà. En ce moment, en série policière. Ouais. Là, ça va mieux. Ouais. En ce moment, en série policière. Top. Southland. Génial. J'avais vu que la saison 1. Pareil, j'ai redécouvert avec la saison 3. J'ai redécouvert saison 2, saison 3 en même temps, moi. Et c'est vachement bien. Vachement bien. Ouais. Tu vois, ça c'est des choses qui, pour le coup, Southland qui me disent. Voilà. Mais on peut pas être tout à fait dans ce rythme-là, parce que c'est quand même la mythologie du western qui est déclinée globalement dans le polar moderne américain aujourd'hui. Nous, avec Marc, si on doit reparler du 652 là, qu'on fait polar, on va essayer d'aller encore une fois vers Simenon. Oui, c'est la référence que vous évoquiez déjà à l'époque de Des oubliés. Mais on ne veut pas refaire les oubliés. Donc, voilà. Ok. Ouais. Et au cinéma, pour terminer, dans le genre polar, tu as vu Drive. Ah oui, alors voilà. Ça, c'est, on va mettre le coup de cœur d'Hervé Admar. Ah non, mais. J'étais sur le cul. Ta déclaration si d'amour à Drive. C'est un coup de cœur, du coup. Parce que j'étais sur... Non, Drive. Deuxième fan majeur de cette interview. Ah, mais en même temps, je suis scénariste dialoguiste, hein, les gars. Je suis payé pour ça. Hein. Drive. Non, Drive, c'est extraordinaire. Moi, j'ai pris un coup de poing dans la gueule. Pourquoi je suis graphiste de formation, j'ai un patin coupin. Donc, je suis très, très sensible à l'aspect plastique. Et d'abord, c'est un film de réalisateur. Et quand tu es réalisateur, tu ne peux pas ne pas te prendre une claque dans la gueule, ce truc. T'aimes ou t'aimes pas, mais tu te prends une claque dans la gueule. C'est un objet plastique énorme. T'as vu Valhalla Rising, son film précédent? Non, mais je au revoir. En effet. Attends, il y a des gens, il y a du 50-50 sur Valhalla Rising. Oui, des gens qui trouvent ça magnifique, succession de tableaux époustouflants, et d'autres qui se sont fait chier comme des rameurs. 50-50 sur Drive, hein. Il y a des gens autour de moi hier qui n'aimaient pas. Hein. D'accord. Ce que je peux comprendre, c'est un objet. Quand tu fais un truc extrême comme ça, tu génères des réactions opposées. C'est normal. Moi, je l'ai pris vraiment formidable. Le scénar, tu te dis au départ, quand tu lis le pitch, un film de braquage, ça se passe pas bien. Tu as déjà vu ça 500 fois. Il joue beaucoup avec tous ces codes-là. C'est un scénar que tu as vu, mais comment il s'est approprié le style, comment il joue avec. Moi, je trouve qu'il y a des influences des comics. Ça va vous plaire, No Watch. L'influence de comics, l'influence du jeu vidéo, l'influence des mangas. Il filme son personnage principal de façon très, très iconique. Des fois, on a l'impression que c'est samouraï. Presque un super-héros. Mmh, ouais. Il y a des plans d'eau, trois quarts, comme ça. J'ai pensé à Captain America, moi. Direct. Ben ouais, tu sais, le blouson comme ça. Ouais. Et le gros scorpion, un peu comme le bouclier dans le dos, tout ça. Non, je... Ouais. Et donc, non, mais voilà, j'ai trouvé que c'était super bien filmé, super bien, super abouti. La musique sublime. Enfin, pas tout. Bravo. Drive, bravo. Eh bien voilà, c'était le coup de cœur d'Hervé Admar. Ouais. Merci, chers téléspectateurs. Pardon, qu'est-ce qui me prend là? Merci, Hervé. Vous êtes sur le câble bientôt, là, c'est ça? Mais ça ne saurait tarder, les contrats sont en cours. Mais je ne peux pas en dire plus. Voilà, d'accord. C'est comme toi. Merci beaucoup. Hein. J'espère te reparler très bientôt pour tes prochains projets. À bientôt. Tes amis à la plage t'attendent. Hein, oui. Tu vas enfiler ton. J'arrive, mademoiselle. On y va. Tiens, je vais faire trempette avec toi. Ouais. Je peux pas. C'est... Voilà. Merci. Au revoir. Chers amis, les entretiens qui vont suivre sont en langue anglo-saxonne.
Vous pouvez cependant actionner la fonction sous-titres français proposée par YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge CC situé ici en bas à droite de la fenêtre. Bonne vidéo et vive le cinématographe! Did the idea of Justified come from the Fire in the Hole novel? And what made you think that there was here a story for a TV show? The genesis of Justified was a novella by Elmore Leonard, Fire in the Hole, which you mentioned. And I had a deal at Sony Television, and I needed something to do, and they had the rights to this story. So they sent it over to me, and I said, Elmore Leonard, okay, I'll read that. I've been reading his books for 25 years. And I love the story, and I love the fact that it centered around a true hero. I mean, yes, he kills a lot of people. Okay, that's not good. But he's not an anti-hero. He's not a tormented soul. He does save people's lives and helps people and gets the bad guy. And I also like the fact that it took place in Kentucky. And most TV shows in the U.S. Don't take place in Kentucky. They take place in New York or Los Angeles, sometimes Miami. And so that felt fresh, too. The dialogue, the characters are typical of the Elmore Leonard style. I mean, whoever has already read Leonard books, they can recognize some of the style of Elmore Leonard. In what way Elmore Leonard is himself involved in the creative process of the show? I know he's mentioned of an executive producer, but is he participating directly to the writing of the show? You know, as Elmore himself would say, that his credit on the show has been for the most part, just a vanity credit. Well, not vanity, just a gratuity. It's just kind of, okay, we'll give you a credit saying executive producer, but he doesn't give notes on scripts, however, or anything like that. But he started feeling guilty about that. So during the first season, he started writing some new stories about Raylan. And in the second season, he sent us these stories, and it's going to come out as a book just called Raylan. I don't know exactly when it's being published, but we started using parts of those stories in season two. And we're actually going to use some of that stuff in season three. And if there's a season four, we'll use some stuff. Because it's just, what better source for a story than to have Elmore Leonard come up with some new stuff for Raylan Givens? And I would say that the best review we've ever had for the show is the fact that Elmore Leonard enjoys it. He gets a kick out of it. And we feel really pretty proud of the fact that the man himself likes the show. Coming back to season two, so there are the new family, the Bennetts, that is strong in this season. Who are they exactly? Can you introduce them to the people who haven't seen the season two? And can you describe the evolution of the series between season two and season one? And more specifically, the character of Raylan Givens. Starting from the Bennetts and this incredible character of Max. You know, the goal with season two was to create a story that had to do with feud, that there would be Raylan versus another family that has been feuding with Raylan's family for 70 or 80 years. We just thought that was a real part of Kentucky life, this feud culture, and it'd be fun to explore that. And so we started to create this rival family, and we called them the Bennetts, and we took something from this story that Elmore had been writing, and he'd called them the Crows. And it was Purvis Crow and his sons, Dickie and Coover. And we decided to take Purvis, turn him into a woman, and call them the Bennetts instead of the Crows. And so we took his Purvis Crow, turned that into Mags Bennett. And we thought it'd be fun in season two to have a strong female criminal. And she has her sons, Dickie, who's still carrying on the grudge between Raylan's family and his, because Raylan bashed him in the knee when they were kids and crippled his leg. There's Coover, who's the big oaf, but is brilliant at growing marijuana. Oh, and that's the thing I should mention. The Bennetts are a criminal family, and they are the pot lords of Harlan County. They've got, fields of pot and weed growing up through the hills. And then there's a third brother, and Elmore didn't have a third brother, but we thought it'd be fun if there was a corrupt local sheriff, and we called him Doyle. And so those are the people that Raylan's up against in season two. And the other thing that Raylan's up against is himself. Because if you remember in season one, he shot a lot of people.
And so both for a kind of an artistic creative goal and also for a character goal, we thought, I wonder how much of the season we could go through without Raylan actually shooting anyone. Or, you know, can we keep the body count to a minimum? Because it went crazy at the end of the season one. Well, you felt guilty about that, or it was just for creative reasons? You know, it was more for creative reasons because, there's two things. One is that just a little bit of reality. If a U.S. Marshal, if a deputy had shot that many people, he wouldn't be a deputy anymore. He would have been kicked out of the Marshal Service. So there was that. But we're doing a television show, so we can bend reality. But it was also creatively, it's like, boy, if he's just going to shoot someone every week, then people are going to get bored with that. So we thought it would be fun to just find out, you know, if there's a showdown, how else can he get out of that than by simply drawing his gun and plugging them in the chest? So that became a goal. And we decided that would be a good goal for Raylan, that he would sort of, he'd realize that he was sort of on a course that wasn't going to end well. And so maybe it would be a good idea if he could kind of, you know, try to handle his life without his gun so much. And then the other thing is he has a big goal in the season, trying to reunite with his ex-wife, Winona. And we thought that would be a fun thing to explore and see the twists and turns that that could take. It has been already said that Justified is kind of a modern Western. What kind of Western do you think, what kind of hero of Western would be Raylan Givens? More like the old-fashioned Hollywood Western, or much more like the spaghetti Western like Sergio Leone? You know, Sergio Leone, well, I think there are very, very, very strong similarities between Clint Eastwood's Man with No Name character and Raylan, except for the fact that Raylan is incredibly charming and says more and has a great sense of humor. But there is a sort of a steely resolve, and he has an ability to handle pretty much any situation you put him in. I think Gary Cooper, in terms of going back a little older, back, you know, High Noon and that kind of thing, not so much John Wayne. But there is that archetypal American Western hero, and I think that Raylan fits into that archetype. But I think the modern twist is that he's pretty funny. And that's Elmore. You know, Elmore's characters have a good sense of humor. They have a sense of humor about themselves, about their situations. And yet they don't joke. You know, they just have that wry twist on things. You said something interesting as well in the conference this morning. You compared, you know, the experience of writing TV for regular networks and HBO. You say that HBO was a wall different world, even different from the basic cable TVs. Why did you say that? Because of the scope and the scale of the budget? And would you say that TV shows are in HBO are not even TV, but just like big budget movie, blockbuster movies? Well, I mean, the things I worked on, you know, is it TV? Well, and you know, the campaign for HBO in the States is, you know, it's not TV, it's HBO. The reality is, no, it's still TV. But you know, the things I worked on at HBO, From the Earth to the Moon, Band of Brothers, and The Pacific, were, you know, big budgeted affairs. Now, granted, the budget for Pacific was $200 million U.S. For production. Well, the last Harry Potter movie cost more than that, and we did 10 hours of television. So, in fact, on a per-hour basis, the budget was not absurd. It was actually, it'd be like a relatively low-budget movie. But in terms of television, it's huge. And the resources we had were immense on those things. And you just can't support that on network or basic cable because you can't get that amount of ad revenue to offset that expense. HBO doesn't care about that, and so that's great. Now, does that mean that their storytelling is a different world? No, it's just that the resources are a whole different world. Now, as it happens, they're very smart, and they do shows like Game of Thrones and Sopranos and Boardwalk, and you know, and they have set a pretty high bar. But I don't think any of us so much in the television industry who aren't working for HBO feel like, oh, they are better than us. We all feel like we've got a pretty fair and even shot. You started the shooting of Justified in Pittsburgh, in the Pittsburgh area, in Pennsylvania. Now it's in Los Angeles. Couldn't you say no to Timothy Oliphant?
You know, you want to say no to Timothy Oliphant? You want to try that? I can try that. Bring me Tim. He, when we broached the topic with him, he very pleasantly and smiling said, hell no, only he didn't say hell. So, because I'm not going to swear on the internet. I'm not going to do that. You can swear. You can tell anything. He said, fuck no. But anyway, what? How dare I say that? No, you know, the thing is that it made it a lot better for all of us. If we had been shooting, we wouldn't have shot it in Pennsylvania. We would have had to shoot it down in Georgia. And our writers, we all still would have been in Los Angeles. It would have been really difficult to do. It would have been great for the look in some respects, but the production team was really smart. And they're able to figure out ways to make a convincing version of Kentucky in California. Part of it is we wait until the rainy season starts so the hills are green instead of brown. And it's as simple as that. Your favorite Western ever? The Wild Bunch. Sam Peckinpah. Yeah, of course. Mine too. With Unforgiven. You know what? With Unforgiven, and I was just thinking of this, there's a great a movie in the 50s called The Big Country. William Wyler did. And there was one other I was thinking. Well, you know, even the spaghetti westerns, but they were all reinventions. You know, the Wild Bunch, yeah, the Wild Bunch is very much a reinvention of the form. Even one of Peckinpah's earlier films, Ride the High Country, is a very different kind of western. And there's something about that that really appeals to me. Question: can you tell us about Dead Lawyers? I've read that on the internet. No, it's not going. It's not going to make it. It's not going to happen. Okay. What? It's a dead project, actually. Dead Lawyers is dead. For now. It was a premature announcement. I don't know why it ended up on Deadline Hollywood. We were just going around and pitching it. It's too bad because I got to hang with John Stamos for a couple of weeks pitching the thing, and he's just a great guy, and Fred and I enjoyed writing the script, but, you know, not everything's meant to be. It was a drama? Comedy, drama. More, you know. Anything else in the box? You know, nothing that I would feel comfortable talking about because, you know what, I'm an incredibly superstitious person that way, which is why I didn't like the announcement on Dead Lawyers before we sold it. It cursed it. Yeah. Yeah. Okay. It cursed it. It's the journalist deadline. Anyway, thank you very much. Thank you, man. Bye. So you're not too old for this shit. Huh? So you're not too old for this shit. All right. We'll see. Little pigs. Here's Johnny.